m'a appris quelque chose qui s'appelle le chemin neuronal positif. Tu te rappelles de ça? Et donc, ça, aujourd'hui, donc, cette discipline, la neuroscience, fait beaucoup parler d'elle. Je serais incapable de déflorer le sujet, donc bon, je peux continuer à balancer comme ça, je serais bien loin du compte. Et en tout cas, c'est passionnant ce qui se passe autour de ce sujet. Et passionnant également de voir que ce sujet recouvre quasiment toutes les activités, qu'elles soient donc commerciales, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques. Alors, on va commencer par une super idée reçue. Je suis comme je suis et je ne peux pas changer. Donc, globalement, on a dû le dire au moins une fois tous dans sa vie. Ça vient du fait que on se donne des stratégies de rationalisation d'un comportement, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui n'est pas en accord avec nos valeurs et puis on va essayer de trouver une raison à ça. Et puis, il y a aussi des fausses croyances qui sont derrière tout ça. Pendant longtemps, on a pensé qu'on essaie avec un stock de neurones et qu'après, en vieillissant, on perdait des neurones. Et puis voilà, c'est ça, c'est le vieillissement. Et en fait, tout ça est en train d'être considérablement remis en question parce qu'en étudiant le cerveau, on se rend compte que toutes les connexions neuronales, en fait, sont remaniées en permanence. Alors, dans un cerveau, globalement, on a 100 milliards de neurones. On a 10 000 synapses par neurone. Les synapses, c'est justement ces connexions qui sont entre les neurones. Donc, imaginez, 100 milliards de neurones et 10 000 synapses par neurone. Et en fait, quand on apprend, c'est-à-dire tous les jours, puisque l'apprentissage, c'est l'expérience, les réseaux neuronaux se remodèlent. Donc, on a des connexions qui se créent, des connexions qui se défont. C'est un peu comme une route, une autoroute. En fait, il y a des autoroutes qui sont là pour que l'information aille très, très vite. Au contraire, parfois, on n'utilise pas trop une certaine zone du cerveau, donc on va avoir plutôt des sentiers où on va se casser un peu la figure. C'est un peu comme ça. Et en fait, plus on va travailler quelque chose, par exemple, jouer du violon, et plus l'information va être rapide, en fait, entre les connexions, entre les neurones. Et la grande nouvelle de ces dernières années aussi, c'est qu'en fait, on a des neurones qui se créent dans le cerveau. Donc non, on n'a pas un stock définitif à la naissance qui ne fait que se réduire. Je vous présente un cas clinique que les médecins connaissent par cœur, les neurologues notamment. Phineas Gage, 13 septembre 1848. C'est un homme aux États-Unis qui travaille à la construction d'une ligne de chemin de fer, qui est décrit comme sérieux, attentionné, sociable, fiable, avec un bon jugement, donc qui est particulièrement adapté à son contexte social, professionnel, amical. Et un jour, une barre en fer lui transperce le crâne. Il survit. Ce qui se passe, c'est que c'est sa psychologie qui change. Il devient grossier, capricieux, instable et asocial. Impossible de rentrer en communication avec lui, il est vraiment horrible. Donc on assiste à quelqu'un qui est devenu complètement inadapté à son environnement social. On appelle ça dans notre jargon médical un syndrome frontal. Un syndrome frontal, c'est justement effectivement cette zone du cerveau qui a subi des lésions et qui fait que les patients vont avoir un comportement inadapté. Le cœur, les sentiments, ça ne concernait pas du tout les prises de décision, ça ne concernait pas du tout la logique. En fait, maintenant, on se rend compte que c'est vraiment le cœur, c'est-à-dire les sentiments, c'est l'émotion qui crée le moteur pour nos comportements et qui fait qu'on va prendre nos décisions et qu'on va être adapté à un environnement. Donc on a bien un rôle qui est très central de l'émotion, déjà parce que elle est inhérente à notre survie. Si on n'avait pas d'émotion, en fait, on ne serait pas là depuis très longtemps. Et c'est un support pour la motivation, la performance, on l'a vu, mais aussi, comme dans le cas de Phineas Gage, d'adaptation et de relations sociales. On focalise l'attention dans l'environnement selon nos croyances, selon nos valeurs, selon ce sur quoi on a envie de focaliser, en fait. Et c'est comme ça qu'on ne voit pas forcément ce qui se passe. Je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo. C'est
Donc un match de basket, et il y a un gorille qui passe au milieu. Et en fait, la tâche, c'est de demander, de compter le nombre de balles qui touchent le sol. Et en fait, on est concentré sur le fait de compter le nombre de balles, et on ne voit pas le gorille passer. Et à la fin de l'expérience, on vous dit « Avez-vous vu le gorille ?» Donc, enfin, moi, je me suis fait avoir la première fois. Et après, on ne se fait plus avoir parce qu'on sait qu'on est en train de nous la faire à l'envers, là. Donc, bon, on regarde le truc et on dit « Mais c'est pas possible, il y avait vraiment un gorille. » Et c'est la même vidéo. Et là, on se rend compte à quel point on rate des informations, mais tous les jours. Parce qu'on a voulu focaliser là-dessus et pas sur autre chose. Tant mieux, parce que sinon, le cerveau, il serait submergé. Heureusement qu'on a ça. Pourquoi les zèbres ne font pas d'ulcères ? Moi, ça s'applique en fait à tout un tas d'animaux. Bon, imaginez un zèbre qui broute l'herbe tranquillement, puis il y a un lion qui l'attaque. Le lion l'attaque, qu'est-ce qu'il fait ? Il fuit. Donc il se met en alerte, accélération cardiaque, paf paf, et fuite. Réaction corporelle. Et puis quand le lion a disparu de son champ visuel, qu'est-ce qu'il fait le zèbre ? Qui broute. Et nous, on se fait attaquer par un lion. Bon, on s'en remettra pas tout de suite. Hein. On va appeler les copains, dire « Ah là, j'aurais peut-être dû faire ça. » Après, on va réfléchir. Et pourquoi je suis allée dans cet endroit ? Enfin, juste, on va s'ulcérer. Quoi. Alors que le danger est écarté. Il n'y a plus de danger. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps à ce moment-là ? Alors, il y a une hormone du stress, que vous connaissez, le cortisol, qui va être sécrétée au moment où on a un pic. On a un pic d'adrénaline, on doit avoir une réaction très rapide. Et le zèbre, lui, il va réguler. Paf ! Plus de danger, je régule. Pas de problème. Sauf que nous, on va maintenir. En fait, avec notre fonctionnement cérébral, on va maintenir la sécrétion de l'hormone du stress. On fait tout seul, hein. En fait, le corps, il a fini de réagir, c'est fini pour lui. C'est le cerveau qui prend la relève et qui le fait dans le mauvais sens. Et quand je dis méditation pleine conscience, c'est pas une méditation orientée vers un but, c'est pas une relaxation. C'est être capable de s'asseoir et de prendre conscience de ce qu'on reçoit de l'environnement. On a des pensées, mais qui sont... C'est carrément... C'est un feu d'artifice de pensée, quoi. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On brasse. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant dans cette pratique-là, c'est d'osciller entre l'attention qu'on a à son propre corps et les pensées qu'on peut avoir. En fait, ça, c'est un travail. C'est un travail qui permet de basculer de nos perceptions à l'instant présent. Et de toute façon, on reviendra à nos ruminations mentales, puisque notre fonctionnement est fait comme ça. Mais le fait de refaire ça permet de se reconnecter et de passer d'un système en alerte à un système qui accueille. C'est intéressant parce qu'on voit qu'effectivement, les grands méditants ont des modifications visibles, hein, fonctionnelles et structurelles, qu'on voit en IRM fonctionnel et en IRM structurel. Et en fait, on voit même à une petite échelle, un stage de 8 semaines à raison de 45 minutes de pratique par jour, a vraiment des résultats. Et donc les articles montrent quoi ? Ils montrent qu'on a une amélioration de la qualité du sommeil, évidemment, puisque par exemple dans le cas de l'insomnie, un des grands problèmes de l'insomnie, c'est qu'on a des ruminations mentales. On tourne en boucle. On enclenche un processus qui fait que impossible, le corps est en alerte, le corps est en train de résoudre des problèmes. Donc comment basculer sur l'autre système ? Facilite la gestion des émotions, améliore la qualité de l'attention. Il y a eu une étude sur l'attention, justement, qui était intéressante. On appelle le clignement attentionnel. Le clignement attentionnel, c'est quoi ? C'est la capacité à voir deux stimuli dans le temps. C'est-à-dire, vous savez, les messages subliminaux, on ne les voit pas parce qu'ils sont, ils sont donnés dans un intervalle de temps qui est trop proche du premier stimulus. Donc le cerveau ne peut pas traiter les deux informations. Donc il a une petite fenêtre temporelle où il ne peut plus prendre d'infos. Et en fait, dans la population générale, c'est 600 millisecondes de séparation entre deux informations.
Et on a montré chez des méditants experts qu'en fait, eux étaient capables de discriminer des stimuli de 300 millisecondes. Donc, on diminue carrément de moitié. Ça veut dire que quand on a besoin d'accéder aux informations extérieures, on est apte à le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Donc, en fait, c'est une capacité en plus. Réduit les ruminations anxieuses. Donc ça, c'est carrément, c'est les études les plus reproductibles, on va dire. On a montré que chez des dépressifs qui font des épisodes dépressifs majeurs, en fait, quand on fait un stage de pleine conscience après un épisode dépressif majeur, on a beaucoup moins de rechutes dépressives par la suite. Donc ça permet de désenclencher. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la dépression ? C'est les ruminations qui viennent mettre de l'anxiété. Et en fait, on est sans arrêt en train de ruminer. Donc on a vu aussi diminuer la libération de cortisol, c'est-à-dire qu'on est plus capable de se reconnecter à ce qui se passe maintenant, donc ça diminue en fait plus vite. Renforce la réponse immunitaire, ça aussi, ça a été montré. Et améliore la fonction cardiaque et la tension artérielle. Et l'intérêt aussi dans le milieu hospitalier, c'est que ça atténue la douleur chronique. C'est pas que ça atténue l'intensité de la douleur, et ça c'est intéressant, mais ça atténue la charge affective qu'on alloue à cette intensité douloureuse. On a compris maintenant que la douleur, elle n'était pas... c'est pour ça qu'elle est subjective, et que chacun, pour un même stimulus, on ne va pas avoir la même douleur, en fait. Pourquoi ? Parce que l'intensité est la même au niveau corporel, mais au niveau de la charge affective qu'on va lui donner, ça ne va pas être la même chose. Et c'est ça qu'on cherche à découpler. L'intensité du stimulus, qui est la réaction corporelle dont je vous parlais. Okay ? Et après, il y a l'intégration cérébrale. Et c'est là où le système affectif va intervenir. Et c'est là où nos filtres, notre passé, tout ça va intervenir. Et c'est ça qu'on arrive à découpler, en fait, avec la pleine conscience. On arrive à avoir le choix de prendre ou non cette charge affective. Et puis, alors ça, c'est une belle étude aussi de 2009 qui a montré que chez les méditants experts aussi, donc ça, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps de pratique, on a un ralentissement du vieillissement. C'est-à-dire que l'extrémité des chromosomes, en fait, qui est grignotée avec le temps, parce que quand il y a des divisions cellulaires, en fait, l'extrémité des chromosomes s'abîme. Et en fait, elle s'abîme moins quand on a ce genre de pratique. Donc, c'est vraiment une reconnexion à son corps. On peut aussi visualiser en IRM de structure des modifications cérébrales. Donc c'est pour ça que je reviens au tout début où on disait que l'apprentissage et l'expérience modelaient nos réseaux neuronaux, refaisaient des routes, des autoroutes, etc. Et ça aussi, ça permet aussi de changer carrément des régions, donc des liens en fait qu'on va faire. Vous avez compris que du coup, c'est vraiment cette faculté de se relier à soi-même, à son corps, à ses émotions et a fortiori à ses besoins. Et en fait, par là, on accède à ce qu'on appelle un processus d'auto-empathie. Ça veut dire qu'on est capable de se réguler soi-même par rapport à ses attentes, ses besoins, etc. Comprendre que oui, si on est en colère là, c'est parce que j'ai besoin de ça. En fait, ça dédramatise quelque chose, ça dédramatise les réactions excessives. Et comprendre ses propres besoins permet par effet miroir de comprendre les besoins des autres. Parce que vous savez qu'on a cette faculté d'empathie qui se développe quand on est petit, qui fait qu'on a beaucoup parlé des neurones miroirs. C'est donc en fait, on se retrouve dans l'action de l'autre. Par exemple... quand on regarde quelqu'un jouer au tennis, ben on va voir les régions qui impliquent le mouvement de la raquette qui vont s'activer dans le cerveau. Comprendre les besoins des autres, ça permet de formuler ses propres besoins pour rentrer dans un dialogue constructif. Si je ressens ça, c'est que j'ai besoin de ça. Est-ce qu'on pourrait plutôt faire comme ça ? C'est quand même plus constructif que j'envoie mon émotion, je suis pas content, bon. Et puis, ça permet de créer un espace de liberté. En fait, j'ai le choix. Je commence à avoir le choix entre ma perception et ma réaction comportementale. Quand même extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'un réseau, déjà ? C'est un ensemble de neurones qui fonctionnent ensemble, de façon synchrone. Donc, c'est ces groupes de sociétés dont je vous parlais,
qui sont là et qui traitent des informations différentes. Donc le réseau mode par défaut, c'est plutôt dans les régions médianes du cerveau, il va s'activer, lui, quand vous êtes dans le vagabondage mental. Typiquement, quand vous fermez les yeux et que vous pensez, soi-disant, à rien. C'est le vagabondage mental. Ah, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ? Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous vous connectez à ce qui se passe dans l'environnement, vous avez une oscillation entre ce mode par défaut, les ruminations mentales, et la focalisation attentionnelle. Et ce qui est génial, c'est qu'on a montré que dans le processus de créativité, on avait justement ces deux réseaux qui s'activaient, donc pas en même temps, parce que l'un inhibe l'autre, mais qui s'activaient de façon coordonnée, l'un après l'autre, pour pouvoir en fait trouver des solutions. Qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si on avait toutes ces pensées dans tous les sens, et de temps en temps, on en prend une, on en prend une autre, et on focalise dessus et on en fait une solution. C'est ce qu'on appelle l'insight. Ah, j'ai trouvé une solution à un problème. Ça se passe là, sur le côté temporal droit. Clac. Donc en fait, on a une réduction des pensées intrusives, abstraites et générales et une augmentation des pensées concrètes et expérientielles qui sont en fait plus adaptées à son environnement. Et donc ça augmente notre capacité à trouver des solutions. Intuition, créativité. On se rend compte que le support social, l'interaction sociale, la compréhension au sein d'un tissu social, si je peux dire, est fondamental, en fait, pour la survie. Bon, ça, on le sait depuis longtemps, qu'on a eu besoin de se mettre en groupe, en société, pour survivre. Mais là, carrément, on a un facteur de risque qui est comparable au facteur de risque d'exposition au tabac, à l'obésité ou à l'hypertension artérielle, quand on a un manque d'interaction sociale. Donc, il ne s'agit pas de transformer nos émotions, de transformer sa personnalité, etc., mais de modifier notre rapport à ces émotions. Comme disait une de mes enseignantes, elle disait « Moi, je suis une angoissée, mais maintenant, je suis une angoissée pépère. » Voilà. L'intensité de l'émotion est toujours là, mais c'est la façon d'y réagir qui est modifiée. Franchement, savoir identifier ces émotions, c'est une vraie galère. On a un vocabulaire très pauvre. C'est-à-dire « Ça va ? Oui, ça va. Tu te sens comment ?» C'est compliqué, là, déjà, de rentrer dans les détails de comment on se sent. Mais ça s'apprend, en fait. Et ça permet de mieux communiquer avec, forcément, les autres. Alors, voilà, la question est ouverte. Est-ce que ce serait pas une arme de construction massive, finalement ? L'intelligence émotionnelle est très utilisée par les négociateurs sur les prises d'otages. Parce que, bien évidemment, il s'agit de reconnaître ses émotions, d'en détecter les origines, mais surtout, aussi, de pouvoir comprendre celles des autres. Et dans les prises d'otages, par un contact permanent, qu'il soit visuel, qu'il soit par téléphone, on réussit très souvent à désactiver la personne en face, parce qu'on arrive à lui faire comprendre qu'elle se sent comprise. Et donc on passe d'une négociation compétitrice, classique, à une négociation de coopération. Mais vous remarquerez une chose, c'est que les consignes ont été données, Daesh ne prend jamais d'otages. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce risque-là d'être manipulé, donc les islamistes vont se faire exploser, ils vont mitrailler, ils savent qu'ils vont mourir, de toute façon, ils le savent avant. Parce qu'ils sont formés également aux techniques dites de manipulation mentale, c'est comme ça qu'ils nous voient. Et donc, ils ne veulent pas prendre le risque qu'une opération échoue parce que justement le négociateur en face a réussi à se connecter à son besoin de reconnaissance très souvent ou autre chose. Il y a des entraîneurs, il y a des champions du monde dans la salle, et il est vrai que cet aspect mental, tous les athlètes, avant de monter sur le tapis, il se passe des choses dans la tête. Il y a des choses négatives et des choses positives. Et les sportifs de haut niveau arrivent au haut niveau parce qu'ils ont cette capacité d'éteindre les émotions négatives pour être dans un focus attentionnel de ce qui doit se faire. Donc en fait, l'idée, c'est de savoir que ça peut se produire dans une compétition, mais en fait, ça peut être utilisé au quotidien, en fait.